pertinent. Olivier au piano. Je m'appelle Kalam, je suis dans ma 9e année de rap, je suis de Tarare à Lyon actuellement et là c'est une bonne interview pour 6-9. Je suis l'impertinent dont les écrits sont interminables, qui fait son chemin sur une terre minable. Les soucis ça crie, un jeune à terre qui rage, impertinent car prolétaire, une mère et un père qui nage. Bah, j'ai commencé le rap très jeune et pendant très longtemps ça a été juste des textes, rien d'autre. Bah, j'ai commencé super jeune l'écriture en fait, j'étais en primaire, j'ai commencé en écrivant des nouvelles, des contes, ce qu'on me forçait à faire à l'école. Donc j'ai eu très tôt ce rapport avec l'écriture. Et vu que je suis pas du genre à beaucoup m'exprimer, beaucoup solitaire, j'ai très souvent j'écris. Et ça vient tout seul en fait. Je me fixe rien, j'ai soit mon mémo sur mon portable, soit un bout de papier, soit mon ordinateur. Ça vient comme ça vient. Là il y a un street album un peu plus abouti qui se prépare, Memento Mori d'ici mi-2014. J'aime d'abord dire que je fais du rap conscient, donc les thèmes la plupart du temps c'est des sujets chauds. J'essaye d'être le plus engagé possible, le plus réfléchi possible en même temps, c'est pas toujours facile. Donc c'est des thèmes d'actualité ou d'histoire et en même temps des thèmes plus légers aussi. Hugo TSR, Kenny Arcana, et La Funky Family, du Sniper, Cypress Hill, Nas et Mob Deep. Mais sinon beaucoup de musique, du reggae, de la variété française. Ouais, j'ai jamais aimé le mot puriste, mais j'avoue que c'est un peu ce qui me définit, parce que vraiment je trouve que ce qui passe sur les ondes, c'est de plus en plus pitoyable et je pèse mes mots. Après, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Il y a plein de rappeurs qui débarquent, qui sont bourrés de talent, autant sur le fond que sur la forme. Mais je trouve qu'en général, autant dans le rap français que dans le rap américain, mais ça fait plus longtemps, ça devient une musique de droite complètement, une musique capitaliste, une musique sans valeur. Ça me fait un peu peur. Il y a plein de rappeurs qui arrêtent, c'est un peu chaud. Je connais très peu la scène lyonnaise, donc déjà c'est une preuve qu'il y a un problème. Quoique j'aurais pu citer Cassius Belli dans mes influences, mais à part ça, on va pas se mentir, le rap à Lyon, il y en a, mais c'est pas assez... ça s'organise difficilement. Ouais, moi je compte pas percer, hein. Donc c'est pas trop un problème qui se pose pour moi, mais il y a encore plein de gars de la province qui percent de temps en temps. Enfin, percer dans le sens où je l'entends, c'est être reconnu, pas être connu. Plus, je demande même pas envie, je compte pas là-dessus. Rencontrer des gens, faire des scènes, des radios, être dans l'associatif. Voilà. Ouais, voilà, c'est plutôt ça, avoir des gens qui me suivent, des gens autour de moi, des gens qui m'écoutent.